Donc, le fait que Privé a monté une commission présidentielle de falsification électorale, monsieur manqué, monsieur Fongoué, et parce que, non, mettons commission présidentielle de falsification électorale, monsieur commet un acte qui est illégal et inconstitutionnel. C'est le premier aspect. N'importe qui, mon capitaine de m'la, m'voyou à regarder la constitution, pas aucun côté dans la constitution, ou à joindre que le président doit mettre en commission qui parallèle à KEPA, ça veut dire, un KEP parallèle que Privé mettait pour falsifier l'élection. Et Privé commet un gros erreur dans affaire ça. C'est là tout le monde vit découvrir et menti que M. Tabbanou, c'est là M. font réunion dans le palais le 19 février qui s'est passé à. Pendant réunion ça, il dit que candidat qui premier dans l'élection, c'est cinquième que lié. Alors que nous connaissons que Privé pas de jambes travail dans le centre de tabulation, il pas de jambes travail comme membre conseil électoral, il pas de gain donné dans meni, qui j'en fait que le 19 février, sans donner dans le palais national, il dit mais qui candidat qui cinquième. Donc, raison que monsieur monte commission, hein, c'est pour la falsifier résultat élection, yo, même j'en ai falsifié amendement constitution 1987 là. Donc, nous-mêmes, les nous garder sac fait là, sont bail qui légal et inconstitutionnel. Moun ki nan komisyon yo, se de moun ki partizan. Lò pran McDonald Jean, msye son ansyen parlementè, Lavalas ke msye liye. Lò pran Gédéon, met Gédéon Jean. Li pran de pozisyon publik sou a fè eleksyon an. Msye son proche Moupod, msye te mande publikman nan Radio Signal e plusieurs radios de nan peyi a pou anulasyon eleksyon an. Msye te mande nan manifestasyon kont Matéli e kont Jovenel Moïse. Lò pran Éric Gaillard, monsieur, c'est neveu Roger Gaillard que monsieur y est. Monsieur sont statisticiens et informaticiens. Et monsieur, c'est initiative de la société civile qui campait d'elle. Pour moi-même, celle qui neutre dans la commission, qui ont certaines intégrités qu'on a respectées, c'est François Benoît. Monsieur sont anciens militaires que monsieur y est. Et Duvalier était jugé, monsieur, en 1968 et a été condamné à la mort. Le monsieur retourne dans le pays en 1987, monsieur vient dans la direction particulière les Midlands. Après ça, en 1989, monsieur devient ambassadeur d'Haïti à Washington. Après ça, il devient ministre des Affaires étrangères. Et en 2006, il était membre conseil électoral provisoire, côté le tal fait laisser frapper avec un série de l'autre membre en dans conseil électoral là. Second monde crédible, dans quatre mounio, c'est grand monde ça. Tout l'autre quatre mounio, c'est des mounes partisans qui vient faire travail de falsification que Privé habitué fait. Nous tous connaissons que Jean Privé est falsifié. Amendement constitution 1987 là, c'est pas Stanley Lucas qui dit li, c'est des bagailles que le Nouveliste, le Matin et Radio t'es discuté sous yo dans le pays d'Haïti. Époque discussion t'as fait sous falsification. Donc, on est tant que Privé qui a un dossier que nous connaissons, et puis, quand on monte une commission de falsification comme ça, son bail qui inquiété un pile monde dans le pays, a, si tout le monde Saint-Marc, je vous dis, à cap fêter, et fête Saint-Marc, nous dit tout le monde Saint-Marc, bonne fête, monde Saint-Marc, qui était victime de Privé, tout est très préoccupé par la question ça. Ah, et l'autre question, est pour vous. Nous remarquons, Premier ministre, là, monsieur fait pas en arrière. Monsieur retire col dans le dossier ça, côté monsieur pas visible, même Stanley. Et d'après vous-même, qui ça qui causait, ministre l'a dit, a fait commission vérification ça, il va la donner lui-même. Vous pensez que fait ça? Bon, Premier ministre l'a pris des engagements par rapport à Parlement. Premier ministre l'a, son nec qui fait carrière de l'administration publique et son nec qui compte loi et constitution pays. Pour moi-même, un, Premier ministre l'a présenté en politique générale devant Parlement, côté il te dit très clair, lui-même, il n'a pas fait commission de vérification. Deuxième bagaille là, en tant que monde qui fait carrière dans l'administration publique, et Premier ministre en connaît que le président sorti ont arrêté présidentiel pour le nommer en commission présidentielle de falsification électorale, son bail qui est illégal et inconstitutionnel. Donc, lui-même, en tant que monde qui travaille dans l'administration, vieille rat administration publique depuis longtemps, li connaît qu'il pas qu'à entrer dans la dynamique ça. Et bon, depuis Premier ministre, pas entrer dans la dynamique ça,
l'État pa ka débloquer un gout pour commission ça. Si premier ministre l'a débloqué un gout pour commission ça, ça veut dire que li violer toute saleté dit dans parlement par rapport à déclaration de politique générale li et par rapport à action que le poser pour soutenir en commission que le connaît qui illégal et inconstitutionnel et politique générale li non plus pas de supporter ça. Et président KPA monsieur Léopold Bélanger monsieur tout bon côté parle dit n'y pas reconnaître commission ça. So c'est expliquez-moi le Stanley nan qui ça nous est là même nan qui ça nous est président privé fait commission hein étant un exécutif deuxième personnage dans gouvernement qui c'est premier ministre là ça va être les vice-président ici monsieur à l'école il va dans commission hein. Président KPA dit lui même tout il pas reconnaître commission ça nan qui ça nous est là même Stanley. Bon, tout le monde avait dit privé que ça l'a fait non seulement illégal et inconstitutionnel, mais politiquement suicidaire. Mais il faut pas oublier que président privé a un agenda politique que tout le monde vient découvrir. C'est qui Jean Poulré était sous pouvoir après 120 jours mandat, parce que le mandat va finir le 14 mai. Il avait dit que nous serions 20 jours là pour le faire outre. Donc, dans ce sens, il faut chercher un mécanisme pour. Qui j'en ka krasé l'élection, krasé parlement, pour le karete 2 ans sous pouvoir, changer constitution, pour le vin mette Jacques Lumac comme président. Yo te gon l'autre scénario, parce que, en dan palais, ne kap travail privé yo, gen scénario pa yo. Gede ne ki te gen scénario, éliminer Jude Célestin à Jovenel Moïse, pour y aller la faire politique pa yo, sans ou pa gen chiffre, sans ou pa gen donné. Donc, pour moi-même, Léopold Bélanger, a joué, on jouait ratement dessoufflé et on jouait la lose parce que Léopold Bélanger, li pa on sain non plus. Et c'est monsieur qui permet privé dans les déclarations qu'il te fait enfant, en vent côté monsieur, au lieu monsieur t'a le travail pour faire évaluation hein, et pour sortir calendrier électoral là, c'est Bélanger qui te fait déclaration qui l'ouvre un petit porte pour privé entrer là-dedans. Donc moi-même, m'pa prend Léopold Bélanger pour on sain. Parce que Jean M. arrivé dans la KPA, il n'est pas arrivé dans la KPA de façon légale. Parce que nous connaissons que dans 9 membres de la KPA qui l'a eu, il y a 7 là-dedans, ce n'est pas le secteur qui est dans l'article 289 là qui voyait. C'est des magouilles entre le secrétaire général par le national là, Anthony Barbier, et d'autres secteurs de yon dans l'arrière qui permettent que Mounsa yo atterri dans la KPA. Moi-même avec, ou yon pile moun kapten de radio et kap suivre télévision là, yo connaît par exemple, Jean-Simon Saint-Hubert, c'est pas lui que le secteur droits humains t'est choisi dans l'élection interne qui a été fait en dans secteur droits humains. 28 organisations de droits humains étaient réunies. Ils ont voté pour 3 candidats pour choisir un candidat ça pour aller représenter dans KEP. Ketli Julien, qui est un candidat, fini premier avec 18 votes. Rémi Edmé, fini deuxième avec 10 votes. Et Jean-Simon Saint-Hubert, li même c'est 0 vote que il te fait son magouille Anthony Barbier d'après ça dit dans la ria et ça dit dans droits humains Jocelyne Cola et Pierre Espérance qui permettent que ce nèg qui fait 0 vote là qui atterri en de palais national c'est des moun droits humains qui répétaient ça dans la ria. Donc journée aujourd'hui comment on voulait pour Jean-Simon Saint-Hubert qui grâce à un fraude en dans droits humains qui te fait 0 vote à l'atterri dans KEP. Comment nous avons espéré qu'on ait comme ça organisé des élections libres, honnêtes et démocratiques. Privé à Barbier fait même bagaille là avec secteur femme, il fait même bagaille là avec secteur syndical, il fait même bagaille là avec secteur la presse. Association des journalistes conséquents et compétents, te met tête ensemble avec un paquet d'autres associations journalistes, yo font élection, yo choisi Tom Dumont, et puis c'est Léopold Bélanger qui atterri en dans KEPA. Donc ça montre au déjà, nous avons un problème sociétal. Parce que nous avons 28 ans que nous avons fait élection, nous mettons 22 conseils électoraux provisoires ensemble. C'est toujours le même secteur que vous et moun sa yo qui a bon nou problème. C'est l'église, c'est la presse, c'est les droits humains et la trier. Donc, je vous dis, nous avons une réflexion sociétale pour nous faire, parce que moun sa yo qui a bon nou problème dans KEP depuis 28-29 ans que nous avons essayé de construire une démocratie, qui fait 22 conseils électoraux provisoires, qui organisait 12 élections qui coûtaient nous 450 millions de dollars américains en 28 ans, 29 ans,
Depuis journée aujourd'hui, jusqu'à présent, nous n'avons pas un système électoral fiable. Nous avons une réflexion sociétale pour nous faire sur le système électoral nous, hein, et secteur. Et c'est pour ça que moi-même, tu es d'accord avec l'amendement constitution. Là, on dit carrément, c'est trois pouvoirs de l'État et chaque voie, trois mounes. C'est ça que doit être fait pour nous garder si au moins nous avons une chance d'organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Mais des autres, ça a cap fait dans le système électoral nous, hein, sont bah, inacceptables. Donc, pour résumer, Belanger gonjouet la loz li gen agenda pal ki la pese a aplike, nou va regarder ki kote sa menen nou. Excellence, et de semaine passée, hein, son excellence par hiver, et monsieur était New York, oui. Monsieur était venu dans l'ONU kote le devine répondre nan convocation pour le devine siyen contrat pour climat et bagay. Bon, pendant que monsieur vient de New York, nous remarquons pas qu'il y a personne monde qui rencontrait avec excellence là. D'après même Stanley, qui ça qui nous ça parce qu'un peu le monde prend dans l'autre sens, parce que la communauté internationale est tellement fatiguée ou bien mauvais contre le gouvernement, son excellence là. Bon, semble c'est ça qui fait pièce monde sérieux par rencontrer avec son excellence privée. D'après même, ça pensez de ça. Bon, et président intérimaire Jocelyn Brivet, monsieur t'est monté New York dans cadre d'une initiative qui t'est commencé depuis avant le président. On connaît que ministre affaires étrangères président Matelian et le ministre Lehner Renault, monsieur t'est monté à Paris pour aller signer souvle accord sous changement climatique yo, et ouais qui ça que le monde qu'a fait par rapport à question ça. Donc c'est dans le cadre de signature finale là on va qui était déjà réglé depuis sous Matéli que privé monter New York et pour l'aller participer avec ministre affaires étrangères l'IA et ministre environnement l'IA Simon Dera dans signature question ça. Bien entendu l'heure arrivé New York et t'es gongé fort que gouvernement privé a été préparé pour aller faire lobby pour essayer joindre support soi-disant pour aller faire élection juste en octobre. Moi, je pense que d'après information qui baille, a fait que pour faire élection en octobre, là, oublier ça. Moi, je crois que consensus qui fait là, c'est que et mandat privé a fini, monsieur Pral fait outli, et ben tout le monde d'accord et au niveau communauté internationale là, pas gain président provisoire après privé, il a quitté premier ministre là dans tête exécutif là pour finaliser processus électoral là parce que ouais privé et entre ça monsieur dit et ça monsieur fait, c'est deux bagailles différents. Entre promesse qu'il bail et ça le va régler, c'est deux bagailles différents. Et c'est pour ça pendant visite li New York là, li prend un pile baf parce que monsieur comprend c'est même genre en Haïti comme sous fin ballon moun et puis moun nan di on bagaille c'est rancé. Par exemple les nèg yo te comprendre, ambassadeur américain Port-au-Prince en cap parler a, yo di ah monsieur rancé la prasse. Et puis là yo vinn gade ou John Kerry dit même bagaille là. Nèg yo pa konnen que structure gouvernementale ici yo bagay la, lò wè moun ki pi an ba, dou on bagay, c'est depuis an lè qu'il sorti et tout moun ki nan lin gouvernemental la respecte politique ki défini. C'est dans même sens ça à tout, ou sénateur américain yo mandé identifier et nèg secteur privé, nèg nan société civile et nan parti politique k'a bloqué processus électoral la dans affaire commission falsification. Yo mandé yo et lè yo fini identifier moun sa yo, eh ben saisi compte en banque aux États-Unis et révoqué visa. Et c'est pour ça ouais mon paquet nèg secteur privé qui était derrière privé commencé dans marron et gen nèg sa yo yo était déjà victime après Governors Island côté ou te mette sanction sou yo. Donc journée jodi a c'est même bagaille Governors Island nan cap développer là. Donc ou va un processus électoral qui va avancer pressé mais on bail qui certain mandat privé a fini, c'est premier ministre qui a finalisé processus là. Ça fait octobre que privé a parlé dans débarquer dans Port-au-Prince a vinn dit que c'est en octobre l'argent privé fini 14 mai monsieur Pral fait out li pas gain président provisoire et c'est premier ministre qui a prêté dans tête exécutif là même Jean époque Bazin était là pour finaliser processus électoral là.